بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه ومن والاه أما بعد الله جل في علا a fait que le cœur de l'humain ne peut se diriger en réalité que vers une direction. Alors selon la direction que tu mettras dans ton cœur, tu seras l'esclave de cette chose-là. Si tu diriges ton cœur vers Allah jalla fi ala, alors sache que tu ne percevras dans ta vie, tu percevras que la face de ton Seigneur. Allah nous dit فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Où que vous tourniez, il y a en réalité la face d'Allah. Pourquoi l'humain, où qu'il se tourne, ne voit pas forcément la face d'Allah? Parce qu'en réalité, son cœur n'est pas dirigé vers lui. Son cœur est dirigé vers peut-être ce bas monde, peut-être un travail, peut-être pour une femme pour un homme ou pour un homme vers une femme. Et d'ailleurs, regarde bien, dans ta vie, tu as forcément eu un moment où, par exemple, tu étais omnibulé par une chose. Tu voulais à tout prix, je ne sais pas moi, peut-être avoir un travail. Tu voulais, une femme a voulu à tout prix, enfin, l'aimer énormément un garçon. Comment elle était sa vie? Elle voyait sa vie que par lui. Ses pensées étaient omnibulées par cette chose-là. Et même dans ce qu'elle voyait au quotidien, elle voyait des signes qui étaient liés à cette personne ou des choses qui allaient lui, qui sont liées de toute façon à cette qibla, à cette direction. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ces awliya, les saints, les gens qui aspirent à Allah, leur cœur n'a jamais été détourné d'Allah azzawajal. Lorsque Allah parle de Ahlus Sufa, les gens de Sufa qui étaient dans la mosquée du prophète Aïssa sallam, leur quelle était la direction de leur cœur? Wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiya yuriduna wajha. Ils ne veulent que la face d'Allah. Patiente et patiente avec ceux qui évoquent matin et soir leur Seigneur, car en réalité, ils ne veulent que la face d'Allah. Dans d'autres versets, innama nut'imukum liwajhillah. On ne vous nourrit que pour la face d'Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa la shukra. On ne veut de vous ni remerciement, ni même reconnaissance. Leur cœur était animé vers quoi? Était dirigé vers quoi? Vers la face d'Allah. Alors ils étaient de ceux qui... فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ. Où que vous tourniez, il y a en réalité la face d'Allah. Donc sache que dès lors que tu vois autre que ton Seigneur, que tu ne vois autre que les signes de ton Seigneur, ce n'est qu'une indication pour toi qu'en réalité dans ton cœur, tu n'es pas dirigé totalement vers Allah, Jalla fi'ala. Qu'Allah Azzawajal fasse que on soit dirigé complètement vers lui, autant par l'esprit, par le cœur et par le corps physique. Car une fois que ces deux précédemment cités le seront, notre corps physique réalisera véritablement qu'en réalité, il n'y a que la face de notre Seigneur. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram.